d'une casserole. Moi, ce n'est pas possible. Il me laisse encore des assiettes pleines. Du gâchis, encore du gâchis. Ah, oh, ça ne peut plus durer. Que les enfants me laissent dans leurs assiettes, ça me fend le cœur. Oh là là, j'en ai assez de tous ces colis de bonbons. Nous allons mettre un terme à cela. Parfaitement. D'ailleurs, je vais prévenir les parents qu'ils stoppent leurs envois de friandises. Oui, mais ça ne suffira pas. Ce qu'il leur faut, c'est mes bons petits plats. Surtout vos lasagnes aux épinards. Un vrai délice. Antonella, vous me donnez une idée. Monsieur, on va vous aider. Hé, hey Sam, ce gros paquet est pour Lucie. Oh, la vénard. Et celui-là, il est pour Mio. Attila, ce n'est pas pour toi. Colai. Je suis là. Merci. Lucie. Présente. Merci. Mio. Oui. À ce problème, et c'est chose faite. Oui. Voilà Madame Bonsens qui a déjà eu affaire à ce genre de fléau et qui va dès aujourd'hui nous aider, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Et comment? Oh, c'est simple. Il faut être ferme sur les consignes de base et éviter les abus. Ça, c'est déjà un bon début. Consommation exagérée de bonbons. Quoi? Oh, maman, attends. Tout le monde s'y met. Allez, en classe. Bien. Les enfants, je vous recommande de suivre les explications, car il y aura une interrogation. Le sucre favorise les caries dentaires. Il faut absolument aller chez le dentiste se les faire soigner. Oh, mince. La roulette, moi j'ai horreur de ça.